Welcome to the Good Vibe People Show, where we explore the leaders and shakers in the events and entertainment industry. What's up, Good Vibe People? Un autre épisode ici avec Eden Creative, Mirek et Ariane d'un super collectif événementiel qui produit toutes sortes de soirées magiques à Montréal. Ariane, Mirek, bienvenue. Merci d'être ici avec nous. Vous venez juste de créer un événement qui s'appelle Exodus. Je pense que c'était la deuxième édition, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Dites-nous tout, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci avec Eden Creative? Ben, on vient de terminer l'événement Exodus. C'était le deuxième d'une série. Dans le fond, Eden Creative, on produit des événements spectacles à Montréal. Donc, c'est des événements dans lesquels il y a plein d'heures, des soirées multi-heures. J'utilise ton terme. J'adore ça, soirées multi-heures. Donc, dans le fond, le spectacle n'a pas lieu, mettons, avant le party. Le spectacle a lieu pendant le party. Donc, Exodus, c'était une soirée avec 4 actes. Il y avait comme une histoire, une trame narrative qui se déclinait à travers des performances, à travers des œuvres d'art, à travers des espaces co-créatifs. On avait des maquilleuses, on avait un costumier, et c'était tout dans le thème des nomades du désert. Okay. Donc c'était tout anglé à travers une histoire qui était de partir à cette aventure dans le désert, à la recherche d'un temple dans lequel il y a des symboles. Et donc il y avait toute une trame narrative et visuelle qui se déclinait à travers tous ces différents médiums. C'est ça, c'est... Cool. Ouais. Fait que, en gros, vous essayez de créer une histoire avec vos événements. C'est de où que ça part, ces histoires-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous lisez? Est-ce que c'est quelque chose qui est, dans le fond, juste créé de A à Z? C'est quoi vos inspirations pour ces types d'histoires-là, comme celle de Nomade, par exemple? De où ça vient? Donc, je réponds, bon. Dans le fond, notre premier événement, c'était Genesis, qui était la Genèse. Puis c'est sûr qu'il y a des thèmes bibliques qu'on reprend. Ça venait d'une pièce de théâtre que Ariane avait écrite de Ève et Lilith. Veux-tu en parler un peu de Ève et Lilith? Oui, ça, c'était dans le fond les origines du projet en 2015. En fait, on applique à une bourse pour le festival Open Mind. Okay. Et moi, il y avait une pièce de théâtre que j'avais vraiment envie d'écrire, qui m'habitait. Puis dans le fond, c'était une réinterprétation du mythe de la Genèse avec Ève et Lilith. C'était un one-woman show dans lequel... on rectifiait un peu les faits de qui était la première femme à saveur féministe. Et on est allé chercher notre ami Fred, dans le fond, qui est ingénieur, pour construire un dôme qui est devenu notre théâtre ambulant. Puis Mirek a fait la mise en scène du show. Ça, c'était vraiment la première édition, dans le fond, d'Eden Creative. Puis dans cette forêt-là, on a rencontré un dinosaure qui nous a initié au flow art, des fées qui ont rajouté leurs touches de maquillage, body painting. Puis au fur et à mesure, au fil du temps, le projet a évolué. Puis dans le fond, on a organisé Genesis au Loft Nomad, comme tu disais, en 2016. Je pense que c'était le premier événement, la première nuit Eden qui était pour financer le projet. Oui. Puis ça a connu vraiment un succès qui nous a nous-mêmes surpris, dans le fond. Puis là, c'est là qu'on s'est mis à essayer de transmettre cette expérience festival le temps d'une nuit. Puis c'est là que les nuits Eden sont nées. Mais sérieusement, c'est vraiment cool. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, ils font tout un univers. Puis une des choses qui frappe tout de suite quand tu le vois, c'est ce dôme-là, qui est vraiment comme un attrape-œil. C'est vraiment... non seulement c'est cozy, mais ça fait vraiment comme un événement en soi qui est dedans. Est-ce que ça a évolué, ça, ce dôme-là? On en est rendu où avec le fameux dôme dans ces heures? Le dôme, disons qu'il a vécu, beaucoup d'aventures, il a fait beaucoup de forêts. Il en a vu des affaires. Il en a vu des affaires, il a fait beaucoup de forêts. On est rendu à plusieurs dômes. Dômes. Il a grandi, il est rendu modulaire. Ouais. Puis dans le fond, c'était pour créer les expériences de théâtre interactif dedans. Mm-hmm. Mais c'est sûr que... en ce moment, notre dôme, mettons, il peut contenir 20 personnes qui dansent et qui font les poissons. Mm-hmm. Mais éventuellement, on aimerait avoir un plus gros dôme. Mais ça, c'est comme un peu le next step. C'est le rêve. Ouais. Un dôme chapiteau. Le dôme chapiteau. Un gros dôme qu'on va pouvoir déployer peut-être moins dans la forêt puis plus dans des villes. Et donc rendre ça plus accessible. En milieu urbain. Mm-hmm. Ouais. Absolument. Cool. Ben, écoute, en tout cas, pour ceux qui vont, c'est définitivement un des nice features qui vient avec Eden Creative. Mm-hmm.
bien sûr, comment ça a commencé, tout ça, on voit que c'est comme une histoire. Que, est-ce que les événements sont interreliés, donc de Exodus à Genesis, ou de Genesis à Exodus, Oui, il y a une suite. Je dirais, Exodus, c'est le deuxième livre dans la Bible. Exactement, oui. C'est Genesis, ça. Exodus. Le troisième, on a changé un peu, on est sorti un peu de la Bible, puis on est allé dans les nuages. Okay. Donc, il y a comme, mettons, les nomades qui vont dans le désert, et ensuite, il y a l'appel d'une cité dans les nuages qui est Zénith. Okay. Et là, on va bientôt sortir notre quatrième univers, et qui est cette fois-ci dans les fonds sous-marins, et qui est en exclusivité, qui est Atlantis, qui va être Atlantis, dans les profondeurs des abysses sous-marines, qui va avoir son propre spectacle, son propre univers de déco, son propre langage et tout ça. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Donc là, on va avoir une rotation de ces quatre univers-là. Mm-hmm. Langage. J'ai entendu le mot langage. Oui. Vous créez votre langage dans l'événement, comme un peu Lord of the Rings, là, mettons? Il y a du lore. Ouais. Ben, en fait, c'est que, dans le fond, quand on est inspiré par une thématique, puis on s'entend avec toute notre équipe aussi de créateurs pour dire, bon, ben le prochain univers, par exemple, Atlantis, ben on se laisse emporter par l'inspiration de ce que ça nous inspire, puis tout ça, puis on décide de créer des éléments de déco pour cet univers-là, costumes. Donc là, on va faire une grosse production autour du thème d'Atlantis. On va travailler ce thème-là. Aussi, on va créer des performances qui vont venir s'inscrire là-dedans. On va connecter avec des artistes, par exemple, des exposants qui vont accrocher leur toile, mais qui vont vraiment être en lien avec la thématique. Des fois même, on va commander des œuvres à des artistes pour que ça s'inscrive vraiment là-dedans. Puis là, récemment, en effet, on a continué à pousser le storytelling de nos soirées avec des quêtes interactives, des jeux où il faut retrouver les symboles dans la soirée. Donc là, c'est ça. C'est là où est-ce qu'on peut parler d'un langage. Puis nous, on a le langage du Danga Théâtre qu'on pousse beaucoup ces derniers temps dans nos pièces de théâtre. C'est vraiment l'aspect qui rend ça interactif dans nos soirées quand on invite le public à devenir participants, puis à faire les mouvements avec nous. Fait que là, oui, il y a un langage qui se crée autour de l'univers, puis qui nous permet aussi d'explorer cette soirée-là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Danga Théâtre? Danga Theater, je ne sais pas comment ça se dit, mais... Mais en fait, le Danga Théâtre, c'est quelque chose de nouveau. Dans le fond, c'est un médium qu'on a inventé. Le Danga, on ne l'a pas inventé. C'est ma mentor, Mylène Roy, qui l'a inventé, qui est une danseuse et professeure de yoga et chorégraphe. Puis, dans le fond, c'est un mélange de danse et yoga. Donc, Danga, danse-yoga. Okay. Et c'est vraiment un médium qui explore la liberté à travers les contraintes. OK. Et il y a des workshops de ça, ça bouge en différents paysages musicaux. C'est pas du tout du yoga qui va être avec une trame sonore relaxante. Là. Ça bouge, puis ça t'amène dans des paysages cathartiques. Puis moi, j'ai suivi la formation professorale avec Mylène, et après, j'ai décidé d'incorporer ça à nos pièces de théâtre, à nos créations, pour engager la foule, dans le fond, à vraiment devenir acteur puis participant de l'expérience et faire les mouvements en même temps avec nous. Donc, c'est là que ça a commencé à naître. Puis, on a déjà fait deux pièces de Danga Théâtre, dont une qu'on a présentée, Zénith, à la Place des Arts, dans le cadre du festival Vue sur la Relève. Ça a vraiment super marché. Moi, je pense qu'on est rendu à une époque où les gens ont envie de plus être juste spectateurs, mais acteurs de l'expérience. Fait que quand tu leur donnes l'opportunité, ça prend pas longtemps avant qu'ils plongent vraiment là, dans l'expérience. Ou qu'ils s'envolent. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, mettons un exemple concret. Là, dans Zénith, il fallait partir pour visiter cette cité dans les nuages. Puis elle était comme la colombe, la guide, qui amenait le spectateur vers un mouvement où les gens s'envolaient réellement. Ouais. Il était comme en équilibre sur un pied, puis là, il battait des bras, puis là, tout le monde délire. Puis après, ça décollait, puis là, il dansait le bain Mathieu, par exemple, parce qu'on l'avait présenté. Ouais. Fait que, après aussi, pour les gens aussi qui n'ont pas envie de se mouiller, mais juste de regarder... Ça fait vraiment des beaux tableaux, puis c'est vraiment le fun et ludique de regarder aussi toute la foule qui fait les mouvements en même temps. C'est intéressant comme aspect, parce que tu mélanges vraiment le yoga et l'esprit imaginatif des gens. Puis c'est ça que ça vient à ma prochaine question. Tu sais, vous parlez beaucoup de monde fantastique, là, principalement, donc tu sais, très...
surréaliste, mm-hmm. etc. C'est quoi le type d'expérience que vous essayez de donner? Est-ce que vous essayez de replonger le monde dans leur propre univers imaginatif, mm-hmm. où vous êtes vraiment comme « Ah, OK, rentrez dans notre histoire à nous. » Quel type d'expérience est-ce que vous essayez de donner au public qui vous suivent? Ben, pour nous, une mission qui est vraiment au cœur de nos valeurs chez Den Creative, c'est de favoriser la créativité en milieu festif. Fait qu'on cherche vraiment à ce que le participant à nos expériences, il se sente acteur de l'événement ou de l'expérience, puis qu'il puisse le vivre en 360. C'est pour ça que c'est pas juste comme un show traditionnel où t'as les DJ, des lasers, puis là, les gens, ils dansent, ils s'entendent pas parler, puis bon. Mmh. Et ils consomment beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, vraiment, nous, on les invite à redécouvrir leur potentiel créatif. Il y a des zones de co-création, ils vont peinturer sous les blacklights, ils vont se faire maquiller par des maquilleurs sur place, ils vont pouvoir emprunter un costume au costumier ou même arriver déjà en personnage, mmh. et vivre cette expérience-là comme ils la veulent, comme ils la sentent. Puis dans le fond, le but pour nous, c'est vraiment ça, c'est de les inspirer, de les faire sortir de leur zone de confort, d'appeler le sentiment de l'aventurier, dans le fond, en eux, pour aller redécouvrir leur potentiel créatif, puis sortir de là en se disant, pas avec un lendemain de veille, mais vraiment mm-hmm. en se disant, j'ai envie de créer ouais. aujourd'hui quelque chose. Là, mm-hmm. j'ai été inspiré par cette soirée-là. On nous demande souvent, c'est qui notre public cible? Puis on répond, ouais. le public cible, c'est l'enfant intérieur dans chacun de nous. Exactement. Comme on s'adresse beaucoup ouais. à cet enfant-là qui a soif de découverte, qui a pas les inhibitions et que pour lui, un voyage fantastique, c'est toute sa vie. T'sais. C'est ça. Il vient pas à une soirée Eden Creative se disant « je m'en vais faire le gros party, je m'en vais me mettre à la face ». Ils viennent vraiment genre « bon, je m'en vais à l'aventure ouais. ». Il arrive avec son costume puis il embarque dans… Tu peux pas ne pas embarquer. Là. C'est comme « rentre dans le bateau ou viens pas ». Exactement. C'est ce que je comprends. Mm-hmm. C'est vraiment cool. Puis d'après moi, justement, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça, sans nécessairement que ça soit dans l'événementiel. Donc, c'est intéressant, dans un contexte événementiel, de vraiment faire un ça me fait penser un peu au livre dont vous êtes le héros, là, ouais. un peu. On dirait que ça, je sais pas pourquoi ouais, ça me ouais. fait penser à ça un peu, mais tu sais, mm-hmm. c'est comme un propice à ça, mm-hmm. le type d'expérience que vous essayez mm-hmm. de donner, par la façon que vous l'expliquez. Bien sûr, il y a beaucoup d'influences psytrance mm-hmm. dans ce que vous faites. Donc, autant que ce soit musical ou même les installations, mm-hmm. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vos influences ou de cette scène-là en général? Comment est-ce que ça a donné de l'influence à vos propres productions, à vous autres? Ben, c'est ça. C'est sûr qu'on est né de cette scène-là. Avant Eden Creative, moi, j'avais mon projet de musique Transipia qui jouait déjà en festival de musique électronique. Donc, on a pris beaucoup d'inspiration de tout cet environnement-là. Puis nous, la scène des festivals, Psytrance, ce qui nous a beaucoup allumé au début, c'est la quantité d'art. Mm-hmm. Vraiment la quantité d'art, un art visionnaire, un art qui n'est pas aliéné, qui n'est pas postmoderne, un art qui est vraiment porteur d'une spiritualité, qui est très, très coloré, qui est très vibrant. Mm-hmm. Et nous, c'est ça qu'on prend. On prend aussi beaucoup l'élément du blacklight, ouais. qui pour nous est comme un élément central. On développe beaucoup le blacklight, que ce soit dans les maquillages, dans l'éclairage. Est-ce que ça vient du Psytrance beaucoup, le blacklight? Est-ce que c'est comme oui. c'est quelque chose qui est au centre? Ben, c'est très présent dans le Psytrance parce que ça ouvre des portes vers une nouvelle spiritualité, oui. en quelques mots. Okay. Et nous, on développe beaucoup ça. On trouve que dans un environnement blacklight, on sort du quotidien. Déjà là, c'est comme une nouvelle couleur. Mm-hmm. Donc déjà là, on s'ouvre à des nouvelles choses. Et ça, c'est ce qu'on veut aller chercher. Dans le psytrance, il y a beaucoup l'effet psychédélique, mm-hmm. qui est créé par des substances psychédéliques. Mais nous, on essaie de créer cet effet psychédélique-là par la quantité d'art, mm-hmm. par les stimuli que l'art va donner, les stimuli visuels, qu'au final, tu n'as même pas besoin de drogue parce que c'est là. C'est là mm-hmm. devant toi et déjà là, tu tripes et mm-hmm. tes sens sont tellement sollicités, tu as de la synesthésie qui se fait naturellement par... Mm-hmm. toute la synchronicité de tous les arts. T'sais. Absolument. Ben oui, ben de toute façon, tu sais, le psychédélique, c'est sûr que si tu regardes ça, après, tu sais, oui, OK, ça a l'air de du monde, je veux dire, qui prend de l'acide, whatever, mm-hmm. mais la plupart du monde qui ressort de ça ont une expérience beaucoup plus riche mm-hmm. de l'existence de toute façon. Fait que de ramener ça mm-hmm. dans un contexte plus réel et réel, tu sais, c'est cool, là. Tu sais, c'est mm-hmm. un autre type de mm-hmm. façon d'avoir une expérience comme ça qui est pas, genre, justement...
obligé de plus être là. Tu peux être exactement. Ben, c'est ça, en fait, qu'on essaye de faire. On a essayé d'extraire les éléments qui nous inspiraient dans le côté art visionnaire. Donc, on a des galeries blacklight, on a du body painting UV. Donc, tous ces trucs-là qui nous faisaient triper, mais pour les mettre dans une expérience beaucoup plus lumineuse, donc les rendre accessibles à tous. Ouais, cool. Définitivement un angle très intéressant à regarder. Tu parlais plutôt de ton projet Transipia. Je sais, toi aussi, tu as ton propre projet Lilith Wings. Donc, en fait, ma question est à vous deux. Donc, à vous de vous battre sur ce qui répond en premier. D'avoir un propre projet artistique, j'imagine que ça influence beaucoup les événements que vous faites. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vient en premier. Est-ce que vous êtes plus inspiré des événements ou c'est votre propre forme d'art qui inspire les événements? Donc, ma question est, comment est-ce que les deux s'inspirent lorsque vous créez vos propres expériences? Mais c'est sûr que les projets personnels sont comme venus avant, mais aujourd'hui, Eden Creative, c'est vraiment le vaisseau amiral de la créativité de nous, mais aussi de notre groupe de créateurs, de notre collectif. Et maintenant, c'est vraiment, il y a des synchronicités qui se font. Tu sais, comme on crée par phase, comme on crée par univers, là, on vient de sortir du désert, le prochain, c'est un monde sous-marin aquatique, mais ça s'adonne que Transipia, le nouvel album, est très aquatique. Puis je me suis dit, je vais attendre après Exodus pour le release, parce qu'il va y avoir une synchronicité. Puis il va avoir comme une espèce de cohérence esthétique. T'sais, on va être dans cet univers esthétique-là et on va pouvoir chercher des trucs. T'sais, Transipia ne joue pas comme DJ à tous les événements d'Eden Creative, mais quand il joue, c'est parce qu'il y a un fit. Okay. Donc, on crée dans ce sens-là pour comme faire des momentum puis des cohérences esthétiques. Mais c'est ça, on va commencer par déterminer la thématique de notre prochain univers. Puis de là, va en découler les projets, dans le fond. Hein. Puis on va voir comment on peut s'intégrer. Comme par exemple, moi, pour Exodus, pour cet événement-là, thématique désert, nomade, j'ai créé une performance avec mon archétype, dans le fond, Lilith Wings, avec deux autres performeurs. On a fait une performance avec un headpiece de feu, très désert. Puis c'était pour s'inscrire dans la thématique de l'événement Exodus. Donc, c'est pas l'inverse, mais c'est nous qui va suivre en tant que créateurs. Dans le fond, on se laisse tous inspirer. Puis après, il y a d'autres projets on the side aussi. Mais comme il dit, c'est Eden Creative, c'est vraiment le mothership qui va dire « OK, on s'en va dans cette direction-là ». Cool, cool. Ben c'est bien d'aller de ce côté-là. Je pense que ça fait des événements plus riches que si c'était le contraire. Définitivement, donc vous suivez le monde plutôt que le monde vous suit. Donc, très cool. Donc, d'ailleurs, vous avez vos projets respectifs et vous faites booker aussi ailleurs. Donc, je sais que vous êtes allé récemment au Costa Rica, si je ne me trompe pas. Donc, super cool en passant. Je pense que je te mentirais si je n'étais pas jaloux. mais parlez-nous un peu de cette expérience-là. Donc, il y a d'autres festivals qui... Est-ce qu'ils vous connaissent en tant qu'artiste ou en tant que Eden Creative? Essaies-tu d'amener un peu d'Eden Creative à leur événement ou c'est plus vraiment quelque chose de très spécifique? Comment ça s'est passé? Par exemple, le dernier festival que vous êtes fait booker? C'est une bonne question. C'est les deux. Mais mettons, Envision, là, on est plus allé pour les Lilith Wings. C'est vraiment plus le projet Lilith Wings et on est allé aussi pour faire du scouting pour Eden Creative. On veut développer des projets Eden Creative là-bas. Envision, c'est très, très co-créatif. C'est très, très yoga. Puis on verrait un fit de Danga Théâtre absolument là-bas. Donc, on utilise nos projets personnels pour faire de l'éclairage. Puis de développer des partenariats pour ensuite amener Eden Creative parce que c'est gros Eden Creative. Mais donc, aussi, il y a toute une question de valeur qui fait en sorte qu'il y avait des opportunités peut-être pour Eden Creative de participer à de la décoration d'un camp VIP, des trucs comme ça. Mais à un moment donné, nous, on a envie d'avoir les moyens pour créer aussi ces expériences-là. Puis, par exemple, là-bas, à Envision, c'est comme... C'est encore en défrichage. Tu vois que là-bas, le blacklight, il aime pas ça trop. Ah non? Il faut comme... C'est pas naturel dans l'environnement, quoi? Mais ils prennent pas beaucoup de risques. C'est quand même un gros festival. Puis ils sont très, 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 très prudents. Donc, c'est pour ça qu'on est allé comme... pour les rencontrer, pour jaser avec eux. Puis là, ça va bien, donc on se croise les doigts, là. Cool. Exact. Mais c'est ça, il faut des fois...
démarcher, dans le fond, les opportunités comme ça. Puis en ce moment, pour exporter aussi une expérience d'Eden Creative, c'est beaucoup de monde, c'est ouais. beaucoup. Fait qu'il faut trouver le moyen de l'adapter. Pour nous, c'est des fois plus facile d'aller au Costa Rica avec des projets que de performance ouais, que des gros projets d'installation. Ben c'est sûr, parce que là, tu sais, si tu veux être autant fidèle à ce que c'est, au mm-hmm. final, t'amènes tout le crew. Mais là, on va tester quelque chose pour la première fois cet été à Burning Man. Okay. Dans le fond, wow. on a connecté avec un camp là-bas, Autosub, puis le mercredi, on va avoir une soirée Eden Creative où on va déjà pouvoir tester une première édition de notre nouvelle pièce de théâtre de Danga sous les abysses là-bas. Oui. Fait que là, ça, c'est déjà une autre piste vers un festival qu'on convoit depuis plusieurs années. Burning Man, c'est pas un festival. Non, c'est ça. Comment qu'appelle ça? Une ville. Une ville. Une ville dans le désert. Ouais, okay. Mais je pense que je vous vois définitivement à Burning Man. Là, ça fit à 100%. Là. Il y a des affaires assez flyées là-bas. Ouais. Merci. Ouais, on va aller s'inspirer. Ouais, c'est ça. Non, il y a du monde que ça fait un bout qui sont sur leur projet. Là. J'ai vu des affaires. Hey, man, c'est des millionnaires là, qui font leur or avec des projets. Ouais, c'est très particulier, Burning Man. C'est très. C'est pas n'importe quoi. Là, fait que, c'est quelque chose. C'est quelque chose en effet. Là, vous dites les prochains projets. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le futur pour Eden Creative? Comment est-ce que vous voyez le développement de votre collectif à travers les prochaines années, mettons le prochain 5 à 10 ans? Mm-hmm. Là, c'est sûr que, mettons, Exodus, le dernier événement qu'on a fait, on a passé 3 mois à travailler sur l'univers à temps plein pour juste une soirée, un party. Mm-hmm. Là, on trouve qu'on est un peu limité dans ce médium-là. On a envie de développer puis de multiplier, d'exposer notre création. Donc, c'est sûr que vers où on veut aller, c'est un modèle où on peut prendre une salle pour plusieurs jours, on installe une déco encore plus poussée, encore plus custom, mais que, mettons, il y a un vendredi après-midi où c'est ouvert aux jeunes publics, aux écoles, ils peuvent venir faire un danga, un danga plus famille. Mm-hmm. Le soir, il peut avoir un type d'événement dedans qui s'adresse à une clientèle plus corporative, par exemple. Mm-hmm. Le samedi, t'as un spectacle grand public et le soir, t'as un party. Mm-hmm. Donc, comme ça, l'univers est là, tous les éléments de branding, tous les éléments du storyline sont là, sont développés, mais ils sont comme multipliés. Mm-hmm. Ensuite, on remballe tout cet univers-là, puis on va le déployer dans une autre ville. Ouais. Ça, c'est comme notre rêve, et vraiment, c'est vers ça qu'on veut travailler. On veut pouvoir comme pacter l'univers, le déployer, puis aussi comme multiplier les représentations de cet univers-là. Oui, c'est ça, exploiter plusieurs angles à plus long terme. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que l'été passé, j'ai participé à un festival, puis je me suis dit, ce modèle-là, pas qu'il marche pas, mais que c'est tellement court, tu sais, tu mets tellement d'énergie sur 2-3 jours, puis tu sais, je veux dire, en plus, tu sais, mettons, si t'es dehors, ben c'est une histoire d'intempérie, puis boum, tu sais, t'en as avalé, puis même si c'est pas l'intempérie, on dirait que tout est contre toi, fait que tu sais, je me disais, ah, peut-être que ça marcherait plus comme en style de camping, tu sais, ou en plus long terme, comme vous dites. Ouais. Parce que justement, c'est comme, tu sais, même le monde qui sont là, ça veut pas dire qu'ils aiment pas ça. C'est juste, you can only buy so much, tu sais, you can only be there for so long, tu sais. Fait que c'est comme, c'est sûr que le modèle plus long terme, je pense qu'on va commencer à voir ça de plus en plus parce que le monde, justement, commence à comprendre que, ben, c'est ça, c'est énormément de travail pour si peu de temps. Puis je pense que, c'est ça qui tu sais, le monde n'a pas le temps non plus de tu sais, puis même le bouche à oreille, il se fait pas assez vite, tu sais, parce que, tu sais, il suffit que tu veux être là, mais t'es pas là, tu sais, tu le manques jusqu'à, je sais pas, 2 mois, 3 mois, je sais pas à quelle fréquence vous les faites, là, mais... Puis on en fait 2 par année, tu sais, c'est bon, tellement de travail. Puis aussi de pouvoir varier nos auditoires, tu sais, on se fait écrire souvent par des mères qui veulent venir avec leurs enfants faire nos danga théâtre, mais on fait ça dans une salle où on vend de l'alcool, donc ils peuvent pas venir. Exact. Puis donc on veut pouvoir comme aller chercher des jeunes, tu sais, je veux dire, les jeunes vont triper là, à bouger, au lieu d'aller voir du Molière, tu viens voir du théâtre et tu bouges, et ça me rappelle les jeux vidéo. Ils vont triper, puis les jeunes aussi ils vont triper, puis le party aussi, mais peut-être que celui qui vient pour le party, ça lui tente pas trop le danga théâtre. Ouais. Donc on veut pouvoir donner le choix au public d'avoir ces différentes expériences. Exact. Et aussi, on veut voir le plein potentiel de l'expérience de danga théâtre sans le party, parce qu'on va avoir justement un public qui va être là pour ça, qui va être capable de dive plus deep dans l'expérience, d'être captif dans cet environnement-là immersif.
Et là, justement, récemment, on a commencé à collaborer avec quelqu'un qui est vraiment un gros nom au niveau des technologies interactives et tout ça. Fait qu'on va essayer d'aller développer ce potentiel-là d'interactivité encore plus loin. Puis après, ben, dans nos soirées, il y avait aussi des gens qui venaient pour le party, puis pas nécessairement pour le théâtre. Fait que là, il y avait un bout qui était un peu, tu sais, pas intéressé. Donc, ça parle, c'est au bar, ça nuit à l'attention des gens pour l'expérience. Fait que c'est ça, on essaye de diversifier ce qu'on fait, puis d'essayer de voir comment on peut propager ces expériences-là sur un long terme, de façon plus efficace. Là. Puis pour toucher aux choses que vous dites, de varier le public, surtout quand on a trait aux plus jeunes, je trouve ça intéressant que vous dites ça, parce qu'on dirait que moi, je commence à regarder, tu sais, la nouvelle génération qui sont concentrés sur des écrans, etc. Puis c'est comme si les créateurs d'événements, peut-être on est rendu à un moment que c'est rendu une responsabilité de essayer d'engager ces jeunes-là, puis de les amener à voir quelque chose de différent. Puis dans la vraie vie aussi, tu sais, on voit à quel point les médias sociaux, les jeunes sont rivés sur ça. Ça fait une sorte de fausse sociabilité qu'ils n'ont pas vraiment. Fait que les événements, c'est comme un beau contexte pour essayer de les sortir de leur quotidien, puis qu'ils sont capables d'en savoir par les réseaux sociaux. Fait que c'est comme si tu parles leur langage, puis les amènes dans un différent univers. Fait que je pense vraiment que c'est un type c'est quelque chose qu'on devrait vraiment commencer à penser aussi au long terme, parce que... Mais c'est tout à fait vrai, parce que justement, nous, on croit qu'en ce moment, on est dans une ère captive de l'écran. Je pense qu'on se mentira pas, personne. Les gens, ils se lèvent, ils prennent leur téléphone, tu sais, on est vraiment rendu captif de l'écran. Puis même, ça nuit à nos rapports humains, tu sais, dans des situations, justement, où on est avec des grosses crowds, où on se retrouve pour vraiment des activités de socialisation. On peut sentir une certaine phobie sociale maintenant. Oui. Puis souvent, de reprendre la béquille du téléphone ou de faire les selfies parce qu'on n'arrive pas à vivre pleinement l'expérience. Et donc, nous, c'est ça qu'on essaye de développer justement avec le Dingue de théâtre. C'est de se dire, on décroche, puis on brise la glace tous ensemble. On se permet d'avoir l'air fou. On se permet d'aller dans des zones qu'on ne se permet pas d'habitude pour se concentrer dans l'expérience, sur le mouvement. S'ancrer dans le moment présent. Et s'ancrer dans le moment présent. Mais là, c'est quand même encore en développement, puis c'est encore difficile, on le remarque, chez les gens, des fois, de déconnecter complètement. Ouais, de juste y aller, puis de plonger dans l'expérience, puis de se libérer du regard extérieur, ce fameux regard-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire récemment, c'est qu'on s'est dit si on impliquait les technologies, mais dans une volonté de créer des moments de collectivité pour se rassembler tous ensemble. Fait que si cette technologie-là était plus juste une béquille, mais elle devenait un support, puis même un encouragement, un stimuli. Quand tu fais les mouvements, il y a quelque chose qui apparaît, tu sais. Fait que là, ça te motive encore plus à participer, puis... Plus que vous êtes ensemble, mettons que c'est une gang qui interagisse ensemble, ben plus que l'effet de la technologie va être présent. Fait que c'est ça qu'on va essayer de développer dans les prochains temps, mais c'est exactement dans une volonté de se retrouver en gang, de favoriser ces moments-là de collectivité qu'on pense qu'ils sont transformateurs. Super intéressant. Puis je finis toujours avec la question que j'aime poser à tous. Donc là, on a parlé beaucoup du monde fantastique et l'interactivité et essayer de connecter avec les gens à travers ce monde événementiel-là. Si vous avez infini budget demain, ce serait quoi le type d'événement que vous créeriez? Excuse-moi, je ne sais pas si c'est un bon français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans l'immédiat, si vous aviez ce type de pouvoir. Bien, c'est sûr que là, on irait à fond dans la réalité augmentée. Nous, c'est pas la réalité virtuelle qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment de prendre le monde réel, de prendre un espace dans lequel on est et on est dans la cité de Zénith. Okay. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai quelqu'un à côté de moi, puis je peux carrément lui envoyer un effet en dansant, tu sais, je peux quand même lui envoyer de l'énergie visuelle en dansant que lui peut me renvoyer. Et on est costumé, tout le monde est costumé, mais vraiment des costumes magnifiques. Et il y a des oiseaux. Et des décors de fous. Des décors de fous et les oiseaux, parce que dans le Zénith, il y a des oiseaux, là, et ils sont là au-dessus de nos têtes. Tu sais. Donc c'est vraiment, puis, et en plus, c'est complètement interactif. On peut se perdre dans cet univers-là,
là. Moi, je peux décider d'aller faire une quête comme un MMORPG, là. Ouais. Ou je peux décider de juste être tu là. Tu peux t'en aller du party, puis ou je peux, je m'en vais, puis je fais ça. Ou je décide de juste faire le party, puis comme, tu sais, je danse, puis j'ai du fun. Ou je décide de construire quelque chose d'un autre côté. Donc, c'est vraiment de prendre, dans le fond, tous les éléments qu'on a en ce moment, mais de les level up avec la technologie et les moyens. Exact. Ouais. Vous qui connaissez peut-être un peu plus la réalité augmentée que, mm-hmm. que moi, on est loin comment de ça en ce moment? Est-ce que c'est juste une question de budget ou... Ouais, c'est une question de budget. Et genre, on pourrait faire ça, ça demain, mettons... En ce moment, je pense que vers quoi on s'en va, c'est que ça va être ça, mais de façon encore imaginaire qui va venir compléter. Donc, par exemple, au lieu d'avoir le fameux oiseau que j'ai donné en hologramme, que j'ai donné un exemple, ça serait plus, mettons, une lumière en suspension, ou ça serait plus, mettons, un effet de laser qui vient suggérer ça dans des miroirs, tu sais, je donne des idées de même. Ouais. Donc, ça serait plus comme un effet, une métaphore qui viendrait représenter ça. Donc, on est à l'époque où je pense que la réalité augmentée va être intéressante au niveau de la métaphore, mais plus on va avancer, plus on va pouvoir le faire pour vrai. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est pas, pour moi, c'est pas tant ce que les créateurs, nous, on va pouvoir créer, mais qu'est-ce que le public va pouvoir créer. Ouais. Et ce qui va être rendu fou, c'est vraiment quand le public va pouvoir interagir avec cet effet visuel-là et en se l'approprier, en faire quelque chose à lui, à son image. Et influencer le cours de l'histoire aussi. Et influencer le cours de l'histoire. Qui a besoin de jeux vidéo à ce moment-là? C'est plus nécessaire. Moi, je suis un gamer, on vient de ça, puis j'ai envie de développer, mais tu sais, il y a quelque chose avec les Donjons et Dragons de très intéressant parce que c'est vrai. Puis le monde le font pour vrai, puis ils sont en contact. Puis en ce moment, on passe tellement de temps sur nos écrans, mais le jeu vidéo n'a pas besoin d'être juste sur un écran, il peut être en vrai, puis ça peut être dans le party. Je trouve que le party est quand même l'activité jeu vidéo des jeunes qu'on fait. On va faire le party, c'est un jeu. On va jouer avec les gens, on aime jouer avec du monde. Ouais. C'est ça qu'on veut développer. Ouais. C'est drôle que tu as ramené le mot party, puis on dirait que je trouvais que c'était un mot tellement qui faisait pas du sens avec ce que vous faites. C'est vraiment comme c'est pour ça que maintenant on est rendu, on a enlevé le mot événementiel pour expérientiel, parce que c'est ça. On dirait que aller dans un bar, puis tout ça, c'est comme un autre univers que les événements qu'on parle en ce moment. Là. C'est complètement ailleurs, puis je pense que ça va juste continuer à se développer. Puis à un moment donné, je veux dire, ça sera juste complètement, c'est ça, tu rentres dans des univers, là, c'est même plus, on appelle même plus ça un événement. Fait que, écoute, Ariane et Mirek, merci beaucoup d'être là. On s'est fait très éclairé sur votre monde fantastique. Est-ce qu'il y a des dernières choses que vous voulez mentionner avant qu'on head out? Des nouvelles, des choses intéressantes, des scoops? On en a dit une couple, là, mais... on en a dit une couple déjà, mais dans le fond, restez à l'affût de notre prochain univers Atlantis qui va probablement être dévoilé en novembre prochain. Non, il va être dévoilé avant, mais il va avoir lieu en novembre. Oui, novembre. C'est ça. Oui, en novembre. On va le tester à Burning Man cet été, mais après, en novembre, on va faire une expérience à Montréal. Et dans le fond, si vous voulez nous suivre, on a une page Facebook, Eden Creative, Instagram, Eden Creative Montréal, et un site web, edencreative.ca. Puis aussi, on vient de lancer du merch, notre premier merch, qui sont des earplugs. Ça, c'est utile. J'en ai besoin. Pour l'avoir en événementiel, moi qui font beaucoup la fête. Ouais, c'est ça. D'avoir des bouchons d'oreilles qui bloquent pas la qualité du son, mais qui protègent nos oreilles. Nous, on s'est dit, on en a besoin, donc on en a commandé 350. Okay. Donc, tu voulais nous encourager. T'en as une coupe en backstock. Ouais, fais nous écrire, puis on va vous les partager. Super. Ben écoute, j'avais regardé de très près l'évolution de Eden Creative. Définitivement un projet très prometteur et très intéressant et différent. Donc, je vous félicite pour où est-ce que vous êtes et j'espère que ça va continuer seulement en évolution. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Merci.